We're going to talk about international trade and investments. Nous allons parler de l'avenir du commerce et des investissements. It's a fascinating time to talk about. C'est une époque fascinante de parler de ces sujets. Is a polarizing issue more than ever in many countries. Liberté des échanges est importante. Pour l'ensemble des parties, c'est essentiel pour la prospérité. On a bien sûr abordé ces aspects pendant la première session de ce matin, après l'élection du président Trump, mais aussi en abordant le Brexit et en abordant aussi le populisme montant. Et j'ai entre les mains les statistiques de l'Organisation internationale du travail qui considère que plus de 170 millions de personnes de par le monde travaillent dans une industrie qui exporte donc le fruit de leur travail sur la scène internationale. On va parler donc du président Trump, de protectionnisme de la Chine, peut-être aussi des marchés émergents. Et on est ici dans un pays où le commerce international est important pour le Royaume du Maroc, qui aspire à s'impliquer davantage au niveau du commerce international. J'aimerais commencer par si la présentation est prête, je vais commencer par vous, Monsieur Marcus. Vous êtes vice-président de l'Institut Peterson des études économiques à Washington. C'est un think tank de renommée internationale. À vous la parole, Monsieur Markinson.